Bonjour et bienvenue sur Pourquoi pas Paris Sport et la chronique athlétisme et plus particulièrement la chronique où est passé cet athlète. Donc à mes côtés, Mathieu Bixel à ma droite, à ma gauche, Clément Giéron, qui sont les deux demi-fondeurs. Alors pour où est passé cet athlète, quel athlète as-tu choisi Mathieu ? J'ai choisi donc Ivan Ukhov. Je vous ferai un petit rappel de qui c'est. Donc il est un sauteur en hauteur, aujourd'hui il a 32 ans. Et il a fait champion olympique en 2012 et champion du monde en salle en 2010, où il égale le record d'Europe qui est de 2,42 m. Ces années, comme vous le savez, la Russie a été suspendue pour certains athlètes, d'ailleurs la plupart. Donc il effectue des concours dans son pays, la Russie. Et cette année, il a fait quelques concours, et notamment le 31 janvier. Il a fait en indoor un saut à 2,35 m. Le 29 mai 2018, outdoor, un saut à 2,34 m. Donc ces années, il reste à peu près à ce niveau. Je ne pense pas qu'il atteindra son niveau, il a passé les 2,40 m. Et puis, voilà. Oui, Ivan Ukhov qui est un athlète de tout premier plan avant la suspension de la Russie et qui était justement en compétition avec Barshim et Bondarenko, et aussi Derek Drouin, le champion du monde 2015. Donc ouais, un athlète de talent qui a été bien tristement connu lorsqu'il il était sous l'effet de substances lors du meeting Athletissima il y a déjà quelques années. Mais un athlète qui a quand même marqué l'histoire du saut en hauteur. Clément, quel athlète as-tu choisi pour où est passé cet athlète? Alors moi je vais aussi parler d'un sauteur hauteur, Geoffroy t'en a parlé avant, c'est Bohdan Bondarenko. Donc aussi très bon sauteur, en 2014 il avait réussi 2,42 m et il avait essayé plusieurs fois ici à Athletissima de franchir le record du monde. Et après il s'est un peu fait oublier avec des moins bonnes performances les années suivantes. Donc seulement 2,37 m en 2015 et 2016 et 2,32 m l'an passé où il avait fini seulement 9e au championnat du monde, ce qui reste pour lui assez mauvais puisque depuis de 2013 à 2016 sur tous les grands championnats il avait toujours rapporté une médaille, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Et donc là en 2018 il n'a aucune référence et donc c'est un athlète qu'on oublie un peu et dont on parle plus beaucoup. Alors là, on va le voir dans quelques jours normalement à Athletissima. Moi, je me réjouis de voir comment il sera revenu vu qu'il a eu pas mal de blessures. Donc, ce sera intéressant de le voir justement confronté à Barshim et à des bons sauteurs ici. À noter aussi lors d'Athletissima dans quelques jours. Le retour de Tambéry aussi qui ressort de blessure et dont on parle aussi peu. Et en tout cas, Bondarenko, un athlète très sympathique et oui, avec beaucoup de talent et beaucoup de travail et on espère le revoir au plus haut niveau. Donc pour la chronique où est passé cet athlète, j'ai choisi personnellement le jeune sprinter Trayvon Bromell, donc né en 1995 et qui a un record personnel sur 100 mètres qui date de 2015 en 9,84. Donc c'était un athlète il y a quelques années, en 2015, qui concurrençait Bolt pour le titre de champion du monde à Pékin. Donc il a fini 3e lors de ses championnats du monde 2015 à Pékin sur 100 mètres. Puis après, l'année 2016 a été plus compliquée, donc avec une blessure au tendon d'Achille qui s'est aggravée en finale des JO 2016. Donc il a couru par-dessus sa blessure et donc c'était une déchirure de grade 1 au tendon d'Achille. Et après il a aussi dû surmonter une blessure au pied. En 2017 ça a été une saison très compliquée pour lui où il est revenu petit à petit. Et il a établi 10,22 au championnat américain en 2017. Et ce qui était très loin du niveau requis pour participer au championnat du monde de Londres. et il travaille actuellement sur un retour comme nous pouvons le voir sur Instagram avec ses nombreux posts et ses comptes rendus sur l'avancement de sa progression. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo athlétisme. Où est passé cet athlète sur Pourquoi pas Paris Sport. N'hésitez pas à consulter notre site internet et nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Nous sommes sur Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt.